Eh bien bonsoir à tous, ici Dara Menel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui on se retrouve pour voir comment on peut gagner des points de faction parce que c'est quelque chose justement qui va pouvoir nous servir à progresser. Donc les points de faction très importants. Si on ne bloque pas les factions à 10 millions, au moins une, impossible de progresser, impossible d'avoir les vaisseaux de type Enterprise, Augure des 4. Donc autant dire qu'à partir du niveau 34, on ne progressera plus. Donc on peut voir que j'ai 12,7 millions de points dans la Fédération et j'ai bientôt les 10 millions de points chez les Klingons. Donc je pense que je sais, moi j'ai trouvé quelques petites astuces pour pouvoir progresser avec ces points de faction. Donc commençons directement par une question peut-être que certaines personnes se posent à plus petit niveau. Les doubles factions. Donc on sait que quand on débloque les factions, elles sont toutes à zéro. Donc il se peut que selon les missions qu'on a faites, les missions quotidiennes qu'on fait, on ait deux factions qui soient dans le positif. Ça va être quelque chose qui va pas être possible. C'est bien au début, on va dire, tu peux avoir accès à deux boutiques de factions au lieu d'une. Mais au final, plus tu vas progresser, plus tu vas te rendre compte que en jouant sur deux factions, tu vas pas réussir à les faire progresser les deux en même temps. Il faut que tu en sacrifies une pour faire monter l'autre. Typiquement, moi j'ai sacrifié les Klingons et les Romuliens pour monter la Fédération. Donc vraiment, même à petit niveau, concentre-toi seulement sur une faction parce qu'au bout d'un moment, tu vas être bloqué. Ensuite, on va voir comment gagner des points, on va dire, le plus facilement. Donc, il y a une stratégie qui est d'aller dans la boutique d'événements. Et ici, on peut acheter des points. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Moi, c'est 11 000 personnellement. Je crois qu'au niveau 31, c'était 8 000. Je sais pas si ça dépend du niveau ou des points de faction totaux. Mais je pense que c'est par rapport au niveau. Donc moi je peux chaque jour m'acheter 11 000 points de faction. Pour notamment les Klingons. Là je suis en train de monter que les Klingons. Ensuite bien sûr il y a les missions quotidiennes très importantes à faire tous les jours. Qui nous permettent de gagner selon les missions un certain nombre de points. Soit en minant, soit en tapant des hostiles. Et il est très important de savoir que les missions quotidiennes ne se débloquent pas dès le début. Il faut un certain nombre de points dans le positif, typiquement, c'est pas parce que tu as 1000 points que tu vas débloquer les missions quotidiennes. Ça va tenir en certains paliers, je sais plus si c'est 500 000 ou 1 million, c'est un des deux, où tu vas pouvoir débloquer les missions quotidiennes. Donc c'est-à-dire qu'avant, si typiquement, moi je repars avec les Romuliens, je vais devoir faire environ 3 millions de points, pour réussir à débloquer les missions quotidiennes. Donc c'est quand même beaucoup, ça prend pas mal de temps. Voilà, donc ça c'est les deux moyens pour gagner des points de faction, on va dire, sans rien faire, tout simplement en jouant, en faisant l'émission Borg, en tapant des hostiles Borg, ou en tout simplement minant et tapant des hostiles de base, on va dire. Ensuite, on va peut-être un peu se concentrer sur l'équipage. Il y a trois types d'équipage que je propose. Donc moi, au début, j'utilisais l'équipage, on va dire, de base, qui était, je vais le retrouver, c'est Kadeura Shen. Et ensuite, on peut mettre soit Kirk, Cadet Kirk, qui est là, soit Cadet McCoy. Ça, c'est l'équipage de base, avec Shen, bien sûr. Ce serait quelque chose comme ça. Ensuite, en montant un peu les niveaux, je me suis rendu compte qu'il y a un équipage qui est plutôt pas mal, qui ressemble à l'équipage que je vais vous proposer après, qui est pour moi le meilleur équipage. C'est Shen Moro, officier, et Bones Rar, capitaine. Pourquoi Bones rare? On va voir tout simplement ses capacités. Non, c'est pas elle. Ses capacités, voilà, de capitaine, qui augmente de 20% le bonus sur les capacités d'officier. C'est-à-dire que c'est la même chose que Pike, la même capacité de Pike, qui est où Pike? Qui est juste là. Voilà, là. Sauf que si on utilise Pike, c'est parce que Pike a une affinité de 40% avec Moro. Alors, une affinité de 40%, ça reste énorme. Pourtant, il a les mêmes 20% de boost que Bones. Mais les 40% d'affinité en plus, ça fait un total de 60% en plus. Donc c'est énorme. C'est pour ça que pour moi, le meilleur équipage, c'est Shen, Pike, Moro. Donc celui que j'utilise en ce moment. Donc voilà, si vous n'avez pas Pike, vous pouvez utiliser Bones. Il fait un peu de remplacement, on va dire. Autrement utiliser Oura capitaine. Ensuite, là voilà, avec ce que j'ai dit, IOC,
ici, rejoindre tout ce qui est ici. Pour gagner des points, ça, on peut gagner à peu près 100 000 points personnellement, un peu moins, ouais, 80 000. C'est plutôt pas mal. Donc avec ça, avec la boutique d'événements, avec l'émission quotidienne, on peut arriver à un total d'à peu près 150 000 par jour de points de faction. Mais 150 000 par jour, quand il faut faire environ, ouais, quand il faut faire 12 millions de points, bah, c'est pas grand chose. Donc le reste, il va falloir taper des hostiles. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais, pour limiter ce temps, je vais vous donner encore quelques astuces. Donc, première astuce, c'est qu'il faut choisir le bon système. Typiquement, moi je veux monter la réputation des Klingons, donc je vais taper du Romulien. Parce que, si je tapais pas du Romulien, j'aurais gagné... Enfin, typiquement je tape du Romulien, donc je gagne 888 points. Mais si j'avais tapé chez la Fédération, on va dire, eh ben, c'est pas la Fédération qui me donne le plus de points. La Fédération m'aurait donné plus de points pour les Romuliens. Ici, on peut bien voir que dans mon système, eh ben, c'est un système qui a, on va dire, pas une affinité, parce qu'ils n'ont pas d'affinité avec les Klingons. Enfin, c'est le pire, justement. Mais ils rapportent plus de points aux Klingons qu'à la Fédération. Donc c'est ici que je vais taper. Parce que c'est là que ça me rapporte le plus. C'est chez les Romuliens. Ensuite, donc ça c'est le bon système déjà. Si je veux monter les Klingons, je vais taper du Romulien. Après, vous pouvez faire les calculs avec les autres en regardant qu'est-ce qui donne le plus comme point. Ensuite, voilà. Donc on a trouvé le système de la bonne faction. Ensuite, il faut trouver le bon système au niveau du niveau des hostiles. Et pas seulement du niveau, mais des hostiles qu'il y a. C'est-à-dire que ici, c'est le système parfait. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des dégâts que j'inflige et que je prends, je peux taper quand même... On va voir combien je prends, mais je peux taper pas mal de style avant que mon Saladin meure. C'est-à-dire que je vais gagner pas mal de points sans devoir dépenser trop de Tritanium pour réparer mon vaisseau. Parce qu'il faut savoir que là, sincèrement, je fais que d'attaquer, donc j'attaque plus de stations, mais je suis très très low en Tritanium. Vraiment, j'ai dû dépenser, je pense, 20 millions en jetons depuis le début. Parce que j'arrive, enfin, je fais plus de base en fait. Donc c'est-à-dire que le Tritanium, très important de l'économiser un maximum. Il faut ensuite aussi trouver des systèmes où, typiquement, moi je conseille un système où tu as des explorateurs et des marchands, on va dire. Pourquoi ? Parce que les explorateurs sont extrêmement faibles face à chaîne. C'est-à-dire que je vais prendre quasiment aucun dégât en comparaison aux intercepteurs et aux cuirassés. Grâce à chaîne. Alors ça, c'est pour moi qui ai un Saladin. Et en plus, je vais pouvoir taper à des marchands qui me rapportent deux fois plus de points. Donc, point très important, les marchands. Les marchands rapportent deux fois plus de points en comparaison aux typiquement explorateurs, etc. Si je ne me trompe pas. Non, je me trompe pas. J'ai mal lu. Là, un marchand 37 me rapporte 888 points. Un explorateur me rapporte 444 points. Après, c'est sûr que je prends un peu plus de dégâts en tapant un marchand qu'un explorateur, parce que les explorateurs sont très faibles. C'est pour ça que je dis qu'il faut taper et essayer de trouver un système où il y a explorateur et marchand. Parce que les explorateurs sont tellement faibles que c'est plus rentable de taper du marchand. C'est quelque chose qui est assez ironique parce que ça m'est jamais arrivé de trouver, ni même niveau pour même niveau, un vaisseau de combat qui soit plus faible qu'un vaisseau de un horizon, quoi, un vaisseau marchand. Donc très important de taper un maximum de marchands. Ensuite, il faut taper à la bonne heure. C'est-à-dire que typiquement, là, je vois, il y a un niveau 35 qui tape ici. Et puis malheureusement, c'est tout. Ça veut dire il y a aussi un 29 ici qui tape. C'est-à-dire qu'au final, eux, ils vont taper de l'explorateur. Ouais, comme j'ai dit, l'explorateur inflige beaucoup moins de dégâts. Et ça m'intéresse beaucoup parce que eux ils font leur mission quotidienne. C'est-à-dire que quand ils vont taper de l'explorateur, ils vont m'enlever un explorateur et en plus ils vont, si j'ai de la chance, me faire apparaître un marchand. C'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin de taper un explorateur pour faire apparaître un marchand. C'est eux qui vont le faire à ma place. C'est-à-dire qu'il faut taper la journée quand eux ils font leur mission quotidienne, parce que eux vont me faire apparaître les vaisseaux que moi je veux taper. Ça c'est très important. Taper quand les personnes font leur mission quotidienne. C'est pour ça que je ne conseille pas de faire ça le soir, mais plus la journée. Ensuite, moi je te conseille de relocaliser ta station.
C'est-à-dire que typiquement, moi avant, j'étais à Kepler. J'étais juste là. Et je devais aller jusqu'ici pour tout simplement faire mes hostiles. Ça me prenait environ 8 minutes, voilà 9 minutes. C'est 9 minutes de perdu, c'est 9 minutes pendant lesquelles je ne peux pas taper des hostiles. Et moi, quand je fais un run dans mon système ici, il me faut 10 minutes. C'est-à-dire que c'est comme si je faisais, juste avec le voyage, j'ai tapé la moitié moins d'hostiles, j'ai gagné moitié moins de points. Environ, je gagne 30 000 points. C'est-à-dire que là, au lieu d'en gagner 60 000, j'en gagne seulement 30 000 parce que j'ai pas utilisé un jeton de relocalisation. C'est pour ça même, je te conseille de pourquoi pas. Tu vois, tu transportes ta station ici, tu tapes, tu fais 5 runs et ensuite tu retournes à Kepler ou ailleurs. C'est vraiment la meilleure des solutions parce que tu vas pouvoir taper deux fois plus de style. Car tu évites tout ce transport, tout ce temps que le Saladin ou ton vaisseau prend. Ensuite, il faut se fixer un objectif raisonnable. Typiquement, moi j'essayais de faire environ 1 million de points. C'était trop, vraiment trop. J'y suis arrivé deux ou trois fois, mais ça prend des journées entières. Ça prend clairement des journées entières. Il faut miner, ensuite il faut taper. Et puis tu vas taper jusqu'au soir. Si tu as un event qui est assez bien, typiquement un event de, comme on a là maintenant, Battle for Glory, ça va. Mais si tu as un event de minage, ça tombe très très mal. Donc voilà, 1 million c'est beaucoup trop pour moi. J'aurais dû plutôt me fixer un objectif de 600 700 000. Donc toi, selon ton vaisseau, selon le temps que tu joues, tu vas te fixer un objectif dès maintenant. Parce que comme je l'ai dit, si tu commences pas maintenant à monter tes points de faction, bah tu vas être bloqué. Parce qu'un jour, il te faudra bien que tu puisses débloquer un Enterprise, un Augur ou un D4. C'était quelque chose que je pensais pas, que ça m'arriverait un jour d'avoir l'Enterprise ou un autre. Mais maintenant, je suis sûr qu'il me le faudra. Parce que je compte continuer à jouer à ce jeu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sincèrement, la réputation, c'est dur à monter. Alors te prends pas trop la tête là-dessus. Essaye de faire un maximum de points chaque jour. Et quand tu sens que tu as un peu compris combien de points tu peux faire, où tu peux t'améliorer, etc., eh ben, fixe-toi un objectif et atteins le plus vite ces 10 millions de points. Parce que à 10 millions de points, eh ben, tu vas pouvoir bloquer ta réputation. Et tu n'auras plus besoin de taper des hostiles dans cette faction. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était Daramenel sur Star Trek Fleet Command.